Salut tout le monde, on est samedi, c'est le week-end. Aujourd'hui on va faire un MadCon qu'on a déjà fait lors du premier confinement. Enfin c'est pas tout à fait le même, mais c'est le même principe. Donc vous allez avoir besoin d'un jeu de cartes. Sur le principe du MadCon, je vous l'explique, je vous expliquerai l'échauffement après. Donc ça va être un AMRAP 25 minutes, vous allez devoir faire le maximum de tours de répétition donc dans votre jeu de cartes en 25 minutes. Soit vous mettez un campaign comme ça de 25 minutes, ou soit vous allez jusqu'au bout du jeu de cartes, c'est comme vous voulez. Ou si vous avez fini le jeu de cartes avant les 25 minutes, bah vous commencez, vous continuez jusqu'aux 25 minutes. Dès que vous prenez une carte rouge cœur, vous allez devoir faire, donc en équipe de deux du coup, c'est moi qui pioche un cœur rouge, des toes to partenaire. Donc il y a le partenaire qui bosse aussi à chaque fois. Donc le partenaire est en position de gainage, ok, et moi je viens lui accrocher les mains. Je vais me mettre dans ce sens. On va simuler que les sacs ici, là, c'est le partenaire. Je viens attraper les mains de mon partenaire et je viens essayer de mettre mes pieds au niveau de ses épaules. Tac, je redescends, je remonte. Je fais le nombre de répétitions qui est indiqué sur la carte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet 11, dame 12, roi 13. Si je prends un carreau, je vais venir faire des devil press à un bras. Devil press, prendre mon alter. Donc vous faites avec une alter, un kettlebell, un sac à dos. Tac sur une main, hop la ventre au sol, je me remets debout et je l'emmène au-dessus de ma tête. Je change de main et je fais le nombre de répétitions indiqué. Mon partenaire, pendant ce temps-là, il vient faire des burpees en synchro avec moi, donc des burpees sans charge. Il m'attend, hop la ventre au sol, il se remet debout et il saute les mains au-dessus de la tête. Si je prends un trèfle, vous allez me faire des overhead lunge. Donc alter au-dessus de la tête à un bras et je viens faire le nombre de mètres indiqués sur la carte. Donc s'il y a marqué 10, je devrais faire 10 mètres avec l'haltère au-dessus de ma tête. Donc en fente, je descends, paf, je remonte et je marche comme ça. J'essaie de changer de bras à la moitié, hop, et j'avance. Pendant ce temps-là, l'autre partenaire, il se met dos au mur et il m'attend et m'encourage. Ok, en chaise. Mouvement suivant, si c'est des pics, il va falloir faire des box jump ou des box step-up avec halter. Donc ça dépend de ce que vous avez. Si vous avez une chaise, un banc, vous prenez votre halter, vous la placez où vous voulez, sac à dos, kettlebell, peu importe, et vous allez devoir monter, descendre de votre support. Si vous avez le moyen de sauter, vous essayez de sauter, donc dans ce cas là vous mettez l'halter pareil où vous voulez, ici c'est idéal, tac, vous sautez sur votre box et vous descendez. Pendant ce temps là, ouh, j'ai inversé. C'est du wall sit sur les chaussures boxées du wall sit, donc comme j'ai montré avant. Tac. Et sur le mouvement d'avant, les overhead lunge, mon partenaire il vient faire l'équilibre contre le mur. Donc au choix, l'équilibre dans ce sens, ou au choix, l'équilibre dans ce sens. Aucun des deux partenaires n'a le droit de commencer tant que l'homme n'est pas bien installé, n'est pas prêt à commencer. Okay. Pour faire les lunge, il faut que mon partenaire soit en équilibre pour commencer les lunge. Et pareil pour le wall sit. Ici c'est du synchro donc ça pose pas de soucis. Dès que vous tombez sur les jokers, si vous avez des jokers dans votre jeu de cartes, vous allez courir 400 mètres course à pied. 400 mètres on va dire c'est un tour, deux tours de maison, je sais pas comment vous êtes chez vous. 400 mètres il faudrait que vous couriez 1 minute 30 à peu près en course à pied. Ok, ensemble sur la course à pied. Voilà voilà, donc vous faites le maximum de tours de répétition de cartes. L'échauffement, vous allez faire 3 tours, 30 secondes d'effort, 15 secondes de récup, ensemble, donc des high five sit-up. Donc hop, face à face à mon partenaire, plante de pied collée, je viens toucher derrière, taper dans les mains de mon partenaire. 30 secondes comme ça, 15 secondes de récup. Ensuite des half high five burpees, à plat ventre au sol, je tape dans les mains de mon partenaire, je me remets debout, je saute à plat ventre au sol pendant 30 secondes, etc. Ensuite, les squats synchro. Vous allez prendre les mains de votre partenaire et vous descendez en squat ensemble. Et sur les lunges collés serrés, on prend le partenaire sous la taille, l'épaule, peu importe, et on vient faire des fentes ensemble. Tac, un pied devant l'autre, le genou touche le sol. Et vous faites 3 tours comme ça, donc 3 tours trois fois chaque exercice. Voilà, voilà, bon week-end, amusez-vous bien et à lundi, salut!